Parce que je me dis, Assoma Anastase connaît beaucoup de monde en France. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, c'est quelqu'un de connu. À Paris, n'en parlons pas. C'est une star. Il est connu de tous parce que c'est quelqu'un qui est vivant. C'est quelqu'un qui aime tout le monde. C'est quelqu'un qui va vers tout le monde. Donc, ça a été un grand honneur pour moi. Et l'objet de cette association m'a aussi intéressé parce que je connais le cœur de la personne. Quand Assoma me dit, on organise, on a une association, il y a Agnelli Solidarité, on veut faire prendre une certaine ampleur à cette association, lui donner un peu plus d'envergure et sortir du chemin de deuil, baptême, mais aller au-delà, voir plus loin, s'occuper de notre région et s'occuper de la Côte d'Ivoire. Et moi, ce genre de paroles ont un sens pour moi. Merci. Merci. Et j'ai dit tout de suite, je suis parrain. Et je ferai tout pour que la soirée se passe bien et que tout s'organise dans de bonnes conditions. Et quand je vois l'organisation, je suis encore plus fier de tout ce qui a pu se passer et tout ce qui a pu se réaliser. Et je remercie tous les artistes qui a accepté de venir nous aider. Et quand je dis nous, parce que je me mets aussi dans cette association, je les remercie pour toutes leurs interventions et tout le bonheur qu'ils vont faire durant cette soirée. Agnelli Solidarité, c'est deux mots importants, simples mais importants. Agnelli, on situe localement. Solidarité, ça veut dire entraide, on va vers les autres, on tend la main aux autres, on n'est pas enfermé. Donc, on est de l'Agnelli, mais on est ouvert vers les autres. On est de l'Agnelli, mais on tend la main vers les autres. Bien entendu, on ne s'oublie pas, mais on n'oublie pas les autres. Et vraiment, Assoma Anastase incarne ces deux mots. Il incarne vraiment ces deux mots. C'est un message très important à vous apporter. Un message d'une illustre personnalité de la Côte d'Ivoire, je dirais un des premiers de la Côte d'Ivoire. Nous avons abordé ce sujet avec Monsieur le Premier ministre, Amadou Bon Koulibaly. On lui a dit qu'il y avait une association de l'Agnelli qui organisait quelque chose. Il a été très intéressé et il nous a dit qu'il était fier de voir que les Ivoiriens de la diaspora pensaient à la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens de la diaspora s'organisaient pour aider les Ivoiriens sur le terrain. Et il m'a demandé de vous saluer de sa part. On acclame, on acclame, mesdames et messieurs. Voilà, il m'a dit que ça a été une fierté pour lui, vraiment, d'apprendre cela. Voilà. Et il m'a demandé de faire un geste pour lui. On acclame. Pour l'association IDEMA, il m'a demandé de remettre 2000 euros à l'association Agnelli Solidarité. Mais au-delà de ce geste, il faut voir qu'aujourd'hui, la volonté de tous ceux qui, de nos dirigeants, c'est vraiment d'arriver à la paix et à la réconciliation.
Et donc le Premier ministre qui a été très heureux de voir que bon, une telle initiative est en train d'être prise au niveau donc, de nos frères ici, a voulu vraiment les encourager par ce geste. Il faut aller plus loin. Il faut que, au-delà de la région, les gens se rassemblent au niveau du pays et que chaque Ivoirien ici à l'étranger soit l'ambassadeur de son pays. Le tout, ce n'est pas donc, qu'il n'y ait pas de difficultés dans notre pays. Le tout, ce n'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des divergences de vue entre les fils et filles du pays. Mais il faut comprendre que malgré toutes ces difficultés, nous avons une seule mère, comme quelqu'un l'a dit dans la salle, qui est la Côte d'Ivoire, et nous devons travailler tous pour l'épanouissement donc, des Ivoiriens. Donc il faut faire en sorte que la réconciliation soit effective, il faut faire en sorte que tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire se fasse avec la contribution de tout le monde et que ce pays-là donc, aille de l'avant.